Bonjour et bienvenue chez Mr. and Mrs. Grimm. On est mercredi, comme chaque mercredi, on va au cinéma. Aujourd'hui, OSS 117. J'ai oublié le titre complet, en Afrique. C'est le troisième volet de la saga OSS 117. Réalisé par Nicolas Bedos, qui n'est autre que le fils de Guy Bedos. Alors, Nicolas Bedos, je connais rien de sa filmographie, ni en tant que réalisateur, ni acteur. J'ai déjà vu à la télé des trucs, des one-man shows, je crois qu'il a fait, que je trouve pas drôle. Mais sinon, je connais rien. Je sais qu'il a joué dans des films que je n'ai jamais vus. Il a réalisé des films que je n'ai jamais vus non plus. Le film est scénarisé par Jean-François Alain, H-A-L ou 2-L-I-N. C'est le même scénariste depuis le début des OSS 117. Donc dans sa filmographie, ben, OSS 117 quand il est au Caire, je l'ai vu. OSS 117, Rio ne répond plus, je crois que ça s'appelle comme ça, qui se passe au Brésil. Et ce troisième opus. Et il a un autre film qu'il a scénarisé qui s'appelle Philibert. Philibert, il s'appelait comment ? Les aventures de Philibert ou un truc comme ça. C'est un film parodique de KPDP. D'ailleurs, il y avait Alexandre Astier dedans. Un film que j'ai beaucoup aimé. Et que je crois que j'ai en DVD. J'en suis pas sûr. Les OSS 117, je les ai pas parce que je les ai vus. Je les trouve drôles, j'aime bien les répliques du film, mais je n'aime pas les films. OSS 117, le tout premier qui se passe au Caire, donc en Égypte. Moi qui suis d'origine algérienne, je comprends l'arabe égyptien, qui est très différent de l'arabe, par exemple, parlé en Algérie. Ce qui m'a dérangé dans le film, c'est que pour un film qui se passe en Égypte, tous les Arabes parlent avec un accent marocain. Quand on ne connaît pas la langue, ça passe. Mais quand on connaît les deux langues, on sait faire la différence entre l'arabe marocain et l'arabe égyptien, ça passe pas. Mais sinon, le film, j'ai bien aimé. Oui, c'est une parodie de James Bond. Je sais pas, j'ai jamais lu les livres. Je sais qu'il s'est inspiré de livres. Donc, je sais pas, l'auteur des livres a dû parodier James Bond à l'époque où il a décidé de l'écrire comme ça. J'aime bien. Le 2, je m'en souviens même pas. Non, j'ai pas de souvenir du 2. Et pourtant, je l'ai vu. Mais c'est des films que j'ai vus qu'une fois. D'ailleurs, même aujourd'hui, si je vais voir OSS 117, au départ, je voulais voir Jungle Cruise avec Dwayne Johnson et Emily.